Salut les potes, c'est Alex, bienvenue sur HMSO Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce pour réussir l'un des défis les plus durs de cette pause entre les deux événements de Trero. J'ai nommé incendier 20 ennemis et les tuer avec un pistolet. C'est un défi qui en soi est pas trop compliqué si on a l'astuce, et l'astuce elle m'a été donnée dans l'espace commentaire par un des abonnés. Dédicace à toi Adel Kia. Et donc cette astuce, je vais la partager avec vous en game. Donc là, il me reste seulement 4 à faire. On va les faire ensemble en vidéo, ce qui va nous permettre d'ouvrir cette petite mallette épique et voir ce qu'il contient. Sans plus tarder, on y va. Et donc l'astuce, la première, parce qu'il y en aurait deux, en fonction de votre choix, ça va être tout simplement de forcer un rechargement de l'arme pour dégainer son pistolet. Parce que si on attend de pure hors de balle pour dégainer le pistolet, eh ben c'est quand même pas le bon plan. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est donc utiliser le porc épique ou toute arme qui pourrait enflammer, on fera le tour après, de forcer un rechargement pour dégainer le pistolet. Premier exemple. Donc je mets un coup de pompe, deux coups de pompe, et là j'appuie sur recharger pour dégainer mon pistolet. Et ça y est, je chope un kill au pistolet direct dès le départ, pas le temps de niaiser. Donc ça nécessite d'avoir une arme à enflammement. On fera le tour après, mais donc on a le choix entre un ranger qui est très connu, on a un porc épique. Si vous n'avez pas le porc épique, vous pouvez également prendre un dard, un enflammeur, voire un prométhée, mais c'est un peu plus galère avec le prométhée. Donc là j'ai oublié de prendre mon enflammeur, donc je perds un peu de temps. Donc le but du jeu, c'est de regarder, là je me suis raté par exemple, hein. Le but du jeu, c'est vraiment de regarder les points de vie de l'adversaire, et dès que vous sentez qu'il a plus beaucoup de vie, là vous appuyez sur recharger, donc en bas. Hop là, là j'appuie sur recharger, ça l'a pas fait, on va remettre un coup, j'appuie sur recharger, hop là ça a bugué, tant pis. Ça a bugué sur le dernier, je sais pas pourquoi ça a pas, c'est pas parti. Bien entendu, il faut viser l'ennemi tout en rechargeant, parce que si vous rechargez sans viser l'ennemi, ça va pas dégainer le pistolet. Et ensuite je vous montrerai, mais il y a possibilité de le faire aussi avec le double tap, ça peut également être une opportunité pas trop mal. Donc là, si je dis pas de bêtises, on en est déjà à 2, hein, donc 2 sur 20, ça va très très vite. Hein. Là en plus, j'ai vraiment oublié mon éclaireur, c'est vraiment dommage parce que ça m'aurait vraiment aidé. Là c'est bon, celui-là il est facile. Vous voyez, j'ai mis 2 tirs, j'ai vu qu'il était le life, j'ai appuyé sur recharger tout en le visant. On va la refaire, regardez, 1, 2, je recharge, dommage. Là il avait déjà été entamé, donc ça l'a pas fait. Si vous avez un ranger, c'est pareil, hein. Vous mettez 2 coups de ranger, en général c'est ce qu'il faut. Tant pis, j'ai pas survécu, ça l'a pas fait. On est reparti. Let's go. Pas très cool ça. Dommage, bon là ils sont nombreux, hein. Là ils sont nombreux, c'est compliqué. On arrive quand même à se classer premier. Ouais, là on est parti pour perdre cette game, hein, puisque on cherche pas forcément à faire le score, on cherche à remplir un défi. Et en plus de ça, on est en train d'être le premier. Donc c'est vraiment pas bon signe pour la suite. Encore un, et là on dégaine le pistolet. Et voilà, bah, je crois qu'on va réussir à finir le défi en une seule partie, hein. Vous voyez comme quoi c'est franchement pas sorcier. De toute façon ça va arriver juste là. Et voilà, encore une fois. Alors, certes, vous allez me dire, et là vous avez raison, l'équipement fait la différence. Bon, c'est-à-dire que le porc épique ne m'aide pas vraiment. Vous auriez un ranger, ça ferait tout à fait l'effet. Mais c'est vrai que j'ai un oppresseur, et ça, ça aide beaucoup parce que l'oppresseur fait des gros dégâts. Et donc ça, je vais pas vous le cacher que pour le coup, le stuff va vraiment faire la différence. Mais vous pouvez tout à fait y arriver avec un petit pistolet à bifton, vous avez maxé 3 étoiles. Pas de soucis, vous avez vu, c'est franchement pas sorcier. Forcément, vous n'allez pas réussir à le faire en 2 games. Mais voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous allez y arriver. Dommage. Donc là, normalement, on a déjà terminé le défi, pardon. Ah, je voulais en faire un petit pour la route. Et donc l'autre technique, les gars, c'est d'aller dans la configuration et de le toucher 2 fois. Donc c'est ce qu'on appelle le double tap. Vous mettez recharger. Donc ça peut être aussi pratique. Ça évite d'avoir à cliquer en bas. Vous avez juste à appuyer 2 fois double tap et ça fait le recharger. Et donc ça réalise également l'astuce. Ok, encore un. Eh ben dis donc, décidément, là on les collectionne. Il n'y a pas trop de soucis. Kill assist. Ça va être chaud, ça passera pas. Ok, bon bah partie bien perdue, on s'est largement fait dominer. Bon, il y a qu'à voir avec l'équipe. Franchement, l'équipe que j'ai, pas trop de commentaires là-dessus.
Bon, et ben dès la première game, c'est réussi. Ça, c'est quelque chose qui fait plutôt plaisir. Donc on va aller tout de suite ouvrir cette caisse ensemble. Let's go, on ramasse ça et c'est parti. Let's go. Et ben ça, ça fait plaisir. Ok, parfait. On a deux fragments du costume légendaire. Et on a également ce masque qui est moche. On va pas se le cacher, hein. Je préfère largement celui que j'ai déjà débloqué. Mais ça fait toujours plaisir de débloquer un masque. On a une petite valise normale, on va l'ouvrir tout de suite. Hop là. On va voir à quoi il ressemble, mais à mon avis, il est pas très très beau. Moi, j'aime bien le masque que j'ai débloqué là. Donc c'est seulement les deux skins que j'ai débloqués. J'ai rien d'autre pour le moment. Mais bon, sur ce troisième événement de Trero, je vais encore ouvrir des caisses. Et normalement, je l'espère, on croise les doigts, je devrais débloquer deux trois petits trucs. Donc c'est celui-ci que je viens d'avoir. Ouais, franchement, il est pas fou. Je préfère largement celui-là. Ok, c'est pas le plus beau non plus. Hein. Il y a vraiment des très beaux masques sur cet événement. J'aimerais bien en choper d'autres. Ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà terminé, la vidéo ne va pas s'arrêter là. On va se faire un petit rush, on va essayer de faire le plus de kills possible. On va passer en mode éclaireur, porc épique, fumigateur. Eh bien, let's go les potins, c'est parti, on y va. Petit skin tigre avec ce masque, je trouve que ça va parfaitement ensemble. Let's go, on est parti pour une petite game, on va essayer de bien la carry, de faire un maximum de score. Let's go. On tombe sur Paradis Tropical, pour le coup, j'ai envie de dire, en plus on arrive sur une partie qui est déjà entamée et qu'on est en train de perdre, ça fait toujours plaisir. J'allais dire que là pour le coup, on regrette un petit peu de ne pas avoir pris, le Thanatos, hein, parce que c'est vraiment une très bonne map pour sniper. Ouais, tchatch, je suis un peu long là-dessus, je suis un peu long sur, la dégaine là. Ok, tiens, toi, hop là. On va faire un peu de Matador aussi au passage, c'est vrai que ça fait un moment que vous l'avez pas vu la Matador, je pense qu'elle vous manque les potes. Là on va faire un petit trap gentiment, hop, comme ça, il a rien vu venir. Et on part sur une petite killing spree, on sera pas plus malheureusement puisque là on a dégainé le rechargement, on n'avait plus de balles. Le défi de, faire le kill au, pistolet c'est terminé, faut bien se mettre dans la tête. Ok, en tout cas là on a fait un bon début de game mais je vois que la partie elle est largement partie pour être perdue. Donc ça va vraiment pas être simple à, gérer cette affaire, je le pense. Tiens, toi tu m'as mangé de la Matador, donc j'arrive pas à viser, mais en plus de ça il y avait un petit lag, hein, ça va pas aider. On va recharger en mode safe, tranquillement, on va venir choper le prochain qui arrive là, ça va être chaud, ouais, ça passera pas. Donc on est largement premier, bah non finalement pas largement du tout. Parce que j'allais dire un tel écart de score alors qu'on a fait ce début de game. Mais faut dire qu'on est arrivé en cours de partie aussi. Donc bon. Allez, un petit peu de Matador, les amis. Regardez les dégâts. Attention, il va me rush lui. Oh, il est déçu. Il est vraiment déçu lui. Clairement, il a pris tarif. Ah, dommage. Le Volvi sur le dernier patch. Franchement, on voit la différence. Hein. On se fait de plus en plus tuer par les Volvi. J'avoue que moi, c'est pas une arme que, j'irai rush. Hein, de toute manière, ça reste en dessous d'un destructeur ou bien entendu d'un mastodon. Hein. Regardez les dégâts du mastodon, il n'y a rien à dire. Mais ça reste, c'est devenu une très bonne alternative free to play pour avoir une automatique à bifton. Franchement, je dirais qu'elle dépasse la Mamba. Alors qu'avant, la Mamba était supérieure, au Volvi. Malgré le fait qu'elle coûte beaucoup moins cher, elle était beaucoup plus efficace, beaucoup plus polyvalente. Elle faisait beaucoup plus de dégâts si on savait mettre des têtes. Mais là, j'ai l'impression que le Volvi a, vraiment bien profité de ce patch. Hop là, on est parti pour le doubler. Hop là. Donc lui, clairement, il est pas malin. Il veut absolument... Dommage. Il veut absolument jouer avec son fusil à pompe. Bon, je pense qu'on se fait écraser, mais là, on s'est envolé au niveau du score. On est en train de faire tout le taf. Encore une fois, c'est assez dommage. Plutôt triste comme game. Très très déséquilibré. J'aurais bien aimé faire une petite victoire avec vous les potes. Parce que là, deux défaites, c'est pas trop de notre faute, hein, mais deux défaites, ça fait mal quoi. Pourtant, on fait le café, hein, y a rien à dire. Hein. On est en train de décimer toute la team. Allez, encore un. Chacun son tour, hein. Il y aura de la place pour tout le monde. À toi. Ah, là par contre, ça passera pas. Oh si. On en a récupéré un, ça fait plaisir. Dommage. Ouais, on n'arrivera pas à faire remonter le score. Mais bon, je vous ai promis des kills. On est déjà à 20. Je crois que je tiens ma promesse.
Donc là, ça fait quand même plaisir là-dessus. On est présent au niveau des kills. Pas présent, au niveau du score global. On est présent au niveau des kills. Attention là, regardez. La Matador qui a fait son taf. Ah là là, merde. Bon bah là, c'est relou. J'ai eu l'aide à la visée sur l'autre personnage. Mais justement, je voulais vous montrer que là, la Matador, elle a fait son taf. Il y avait deux gars juste l'un derrière l'autre. Et bien, le gars de derrière a pris également max dégâts. Bon, en tout cas, mon challenge, il est réussi. J'ai fait pas mal de kills. Les gars, deux défaites, mais bon, j'ai fait de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que le petit tips pour le défi vous sera profitable. Les gars, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.